fake news et propagande de l'MBC, pour nous, c'est un cadeau empoisonné de Pravin Jagnauth. Vous avez même causé qui dit « Jupiter en fout ceux qu'il veut perdre ». Et moi, je dis « T'es un très down to earth quand la fin costait l'esprit s'avirait ». Et mon gars, je cause avec beaucoup de monde, même aujourd'hui, un soutien qui est indéfectible. Le soutien des organisations socioculturelles n'est plus acquis. Et la question de la population, comment pour faire ce aller? Donnez le message, les clés et net. L'opposition, pas pour être indifférente de l'appel de l'électorat. Nous, on va nous dire, we'll bow to the dictate of the electorate. Et mercredi dernier, l'opposition travailliste, MMM-PMSD, fin bien faire ressortir qu'il y finit adopter la politique, comme on a déjà dit ici, one step at a time. Avec l'engagement ferme, bien sûr, pour l'élection municipale et convergence des idées qu'on a fait au Parlement, pour l'obtention d'un thème transversal, éventuellement pour un véritable projet de société. Bon, prend le Local Government Amendment Act. Vous connaissez, M. Pravin Jagnauth, la façon d'y faire, bon, connaît le MSM depuis bon, au Parlement, toute indication là, qui avec une simple majorité qui est là, qui est capable de servir, une simple majorité assez, l'époux renvoie les élections municipales. Et me fait l'appel au public. Le n'est l'occasion et une chance qui peut venir. Parce que, comme à l'heure, on dit, nous allons répondre à l'appel de l'électorat. Et toutes les forces de l'opposition nous conjuguent nos efforts et nous demandent et répondre à l'appel de l'électorat qui ce gouvernement bise à aller. Enough is enough. Qui fait à nous dire ça? Nous ne pas dire ça parce que bise provoque simplement une élection, mais parce qu'ils sont dangereux. Et ils peuvent fragiliser davantage nos sociétés. Réaction instinctive et primaire de Pravin Jagnauth est dangereux pour nos républiques. Connaissez-vous un modèle? Et nous tiennent modèle de démocratie. Maintenant, c'est l'autocratie. Et le Parti travailliste donne un warning à Pravin Jagnauth. Pas fragilise la paix et stabilité et met en danger nos coexistences pacifiques. Nous fiers d'un pays de peuplement et ce langage infect finit d'un impact maléfique lors de certains parlementaires du MSM. Allez, nos bons camarades, pour cause. L'affaire de nous, mais laisse-moi en passant me dire. Violence du député de nous, qui m'ont considéré un jeune député, vis-à-vis le staff de la clinique de Welkin, lit regrettable, uncalled for. Bon, fiez-moi à parole de ban avocat, quand je veux dire, c'est un assault sous code criminel et sous section 114 et 115, 4 et 5 du Workers' Rights Act. Une offense inacceptable commis contre un employé et faudrait pas le dossier classé. Et pas venir dire qu'il fait là un accord à l'amiable. Me dire à la police faire ce travail et me saluer l'initiative prise par Ivan Bibi. Qu'il réfère le cas à la police et me espérer que ce soit Welkin ou bien la police dire qu'il a fait une classée parce qu'il finit régler à l'amiable. Et là, avec raison, et m'espérer que Michel Denou, comme député whip du gouvernement, comment nous dire, the guy must go. Et même ce bon collègue député ne commence à laisser tomber, et avec raison. Et mais jusqu'à maintenant, le silence de Pravin Jagnauth culpabilise ce gouvernement. Bofin trouve
DPM, monsieur Obigadou, une causé. Mais bien sûr, avec certaines légèretés, il pousse la personne. Première action qui est finie par. Le premier ministre nous connaît à la lumière de PNQ qui m'a posé l'on syndiqué, sans hésitation, l'itifère, M. Colin Devenu, allez. Là, il y a une évidence, et là, les faits sont là. Moi, je ne peux pas comprendre comment un premier ministre capable de rester insensible à ce problème. Et député de nous, bien sûr, les faits qui ont senti qu'ils ont pu laisser tomber, mais jusqu'à maintenant, il dit qu'il y en a le soutien du premier ministre, un premier ministre qui est même accusé de trahison. J'espérais qu'il y prenne l'autorité pour provoquer démission de nous comme députés. Oui. Et si le bon sens prévaloir, malheureusement, il n'est pas pour prévaloir, de nous, il est démissionné. Vous connaissez pour moins de ça. Ivan Colin Darvelou, je cite Ivan Colin Darvelou encore. Il y a une question qui m'a été posée dans le Parlement concernant la signature qui m'a été posée pour, quand tu as rempli fiche de Sol Kersner. À l'époque, bien sûr, le problème n'a pas été là, nous connaissons le rôle de Sol Kersner. Mais l'ITNN, obligation, et l'ITNA, ce dimanche moral, c'est second to none. À la lumière de ça, Colin Davenu a démissionné du Parlement et tient à l'élection partielle dans circonscription numéro 15. Aujourd'hui, nous pouvons un député. Il ne faut pas lui jouer, comment dire, l'innocence. L'IFIN physiquement à Salt. Un staff de Welkin. La personne, il rapporte le cas. Welkin, il retourne toute l'affaire. Et c'est maintenant, et vous félicite le investigative journalism qu'il fait, et la vérité finit éclate au grand jour. Mais bon, matin, encore une fois, réaction de Ivan Colin Davenu et ses collègues parlementaires de ML. Bon, venons à un deuxième issue, la pétition électorale d'ailleurs contre Pravin Jagnat. Connaît tout en respectant le jugement. La population reste perplexe concernant le rôle de l'MBC pour undue influence et ce double standard, double face, surtout traitement différencié accordé à M. Katori, le fameux Daltaman, agent notoire du MSM et Pravin Jagnat, qui fait allégation très grave contre le leader de national, leader national de l'Alliance nationale à l'époque et le Sanatan Dharma. Toléré par la MBC. MBC refusait le droit de réplique pour cause de M. Ramdian et lui fait fi de l'impartialité parce qu'il est partiel outrancièrement à M. Daltaman. Aujourd'hui, vous connaissez M. Daltaman, qui jouait les privilèges de ce gouvernement. Comment me dire, tout en respectant le jugement, nous pas capables de faire fi lorsqu'il dit contre l'MBC. Et tout Mauricien, conscient que MBC est une faillite, et MBC finit faire parti pris, et justification pour faire appel devant le conseil privé de la reine, lit amplement. Vous connaissez le rôle de l'MBC, l'infect, et comment me dire, devant la population, devant le commun des mortels, lit flagrant. Et que ça va faire l'appel à tout bon démocrate, tous les Mauriciens. Bien sûr, nous pouvons faire un crowdfunding pour nous aider nos camarades sur un dial.
et avec le soutien de ces hommes de loi pour capable mettre sa case là devant le conseil privé de la reine. Pour redire encore une fois, MBC affecte, les films font un parti pris et pas finir là l'esprit d'impartialité. Et une affaire que nous pouvons faire. Et ça, moi, je dis monde qui pour la guerre pour ça, et je suis convaincu que le gouvernement parti travailliste, il pouvait faire ce qu'on appelle la pratique, qui va juge en fonction. Il ne faut pas modéliser juge en fonction, il ne faut pas présider la commission d'enquête et arbitrage. Pour dire un prochain gouvernement par travail, c'est bien mettre fin à la pratique qui va juge en fonction, faudrait pas se présider commission d'enquête et arbitrage. C'est la pratique en Grande-Bretagne. On passe vite le problème de COVID. OK, qui aujourd'hui nous capable de respirer mieux. Mais c'est moi faire attention à un nouveau variant. Et là, me dit le gouvernement, et me demande la population, faire bien attention à un vaccin qui est disponible. Tant que le gouvernement pas dit que ce vaccin-là est certifié par ce qu'on appelle immunisation, vaccination and immunization, de un expert de la matière, et surtout si nous prenons un vaccin Pfizer ou bien Moderna, un nouveau vaccin qui nous sort, qui nous appelle bivalent, bon pour dire, faire bien attention, parce que ceux qui peuvent vacciner par les vaccins existants là, pour faire booster dose, viennent l'impact sur notre système de défense, qu'on appelle immune système. Jusqu'à preuve du contraire, nous disons un expert, bon pas peut dire, right? Dans la Grande-Bretagne, où est-ce ce qu'on appelle sa task force immunization and vaccination. Avant toute décision prise pour faire vaccin booster dose, l'important qui nous suit est certain qu'il est vraiment pour donner booster à l'immunité. Et l'Angleterre est bien careful, la Grande-Bretagne, l'Europe, parce que c'est que je peux servir, c'est 20 spécifiquement pour booster 2, c'est Pfizer et Moderna. Et Moderna, c'est ce que j'appelle Bible. Bon, vite, la situation économique. T'as l'air, mon camarade, pour cause, le problème de sa loan qui a loué par le gouvernement indien pour certainement construire sa modoraille qui vous sortit de Moka Poil Kodo, le fameux 13,5 milliards, et avec un grand bonifié de 25 milliards de roupies. Une affaire. Vous connaissez déjà là, tel quel, le sac la tête, bon, dis-moi tout, ça disait cela là, le sac la tête des Mauriciens. Nos générations de bons enfants et générations à venir. Le pays qui est endetté. Le sac la tête mauricien a plus de 400 000 roupies de dette. Et sa dette-là peut augmenter, peut venir une dette qu'on peut rembourser en devises étrangères. Et avec une roupie qui peut déprécier, le coût peut augmenter le sac la tête des habitants d'un pays. Et, on peut apprécier Vinay Ancharaz, ancien cadre du ministère des Finances, travaille bien sûr avec beaucoup d'institutions, il donne un très bon interview. D'un langage très simple, l'IPDI avec raison, le Falanus because Moody's credit rating, no one notch above junk, là avec raison, l'IPDI nous peut rendre dans debt trap. Et nous pas loin de ce qu'ils nous appellent le syndrome de Sri Lanka. Où il y a un gouvernement qui peut jouer avec Tiffé, qui peut mettre en péril
ce qu'on appelle la stabilité de nos pays par réaction instinctive et primaire. Et au-delà de ça, l'IPEP pousse nous vers ce qu'on appelle un death trap. Prenez, nous pas capables, restent indifférents. La raison pour laquelle aujourd'hui, les partis politiques, bien sûr, ok, Benaman Session hein, interactive, il y a plusieurs réunions, le même le 24, dans le contexte de mobilisation qu'il nous fait faire pour le congrès le 28, le 24, nous pouvons à la municipalité de Cadbourne, aujourd'hui, nous pouvons dans Beaubassin, partout nous y aller, et nous pouvons faire une réunion de la session interactive. Et ça, tsunami populaire là, il est là. Mais encore une fois, je veux dire, c'est l'électorat qui peut dicter, et we will bow to the dictate of the electorate. Et nous, aujourd'hui, la population condamne avec force, nous condamne, hein, ce gouvernement, et les jours de ce gouvernement sont comptés. Nous conjuguons nos efforts et répondons à l'appel de l'électorat. Le 28, le congrès, c'est un congrès historique, il prépare la transition et pour nous relève les grands défis et saisit les grandes occasions en élargissant l'espace pour un nombre conséquent de banques jeunes au sein du bureau politique de l'exécutif et au sein du parti. Maintenant, on passe la parole à mon camarade Ousmane Mohamed, qui surtout pour mettre l'emphase sur le nouveau lit qui se paye soi-disant fait faire l'étude. Et nous connaissons à ce jour plus qu'il prend 536 millions pour payer de dette concernant Pétro Léger, la ligne qui pouvait être de Boca à Kondo. Merci camarade Anvin et merci camarade de la presse. Bonjour aux Mauriciens et aux Mauriciennes. Effectivement, lundi dernier, la haute commissaire indienne fait annonce une nouvelle ligne de crédit qui va nous transférer en roupies différentes 113,5 milliards de roupies pour une extension qui sera réduite par le Côte d'Or, le 10,5 km. Alors, comment on gagne ça 10,5 km? Nous avons fait une petite recherche. Le Exim Bank of India, ce site internet, là qui montre où ça siffle. Alors, je vais donner une interview, l'expression invite moi pour donner une interview, c'est-à-dire mercredi dernier, et ce titre, il exprime mon opinion là. Hein. Ça veut dire 13,5 milliards pour 10,5 km de voies ferrées entre Edouy et Côte d'Or est un suicide financier. Je ne pas pourrais aller devant les choses qui m'ont raise là-dedans. Je pourrais prendre les choses qui m'ont fait apprendre hier à la radio, comme on a été à venir sur Radio Plus. Et là, je remercie mon camarade de la presse qui donne nous une occasion pour exprimer nous-mêmes, parce qu'il parle moyen congé. Et je fais entendre le CEO, monsieur le docteur Dasmoutana. Ce n'est pas mon habitude pour amener mon CEO dans un débat à profondeur, mais cette fois-ci, je crois que vous avez fait une exception. Parce que beaucoup d'affaires qu'il vient de dire, il surprend moi. Alors tout d'abord, il dit comme ça que métro est un succès fou. On va trop connaître qui dit ça. Et c'est vrai que métro, moi tout le temps, on dit, hein, je suis d'accord sur le fond, mais pas sur la forme. Nous tous connaissons que métro péroule, mon copine là tout à l'heure, et qu'il dit comme ça que le projet peut continuer parce qu'il y a un succès. Il dit ça, hein? Et ça qui me plus surprend moi encore, il dit qu'il n'est pas au courant qu'il y a un lac qui sort pour lui, qui a grand B, et qui sort éventuellement QEPIP YAL Maïbou. Mais ça surprend moi, parce qu'il dit qu'il n'est pas au courant de ça. Mais comment se fait-il un CEO pas au courant d'une major decision qui s'y prend dans le passé? Et là, je me cite Ban Jimoun qui s'assiste dans ce comité-là. Quand le parti travaille sur le pouvoir, bien sûr, il y a un restival, la grammaire, une cause en lui, il y a un carré d'achoui. Il y a M. Diren Deby, qui maintenant est à la retraite, mais en fonction en ce moment, il y a Dave Mandrat, qui est secrétaire financier, et il y a Koshi Krissol, le docteur Koshi Krissol, qui est maintenant commissaire de la NTA, et il y a
L'actuel chef de service civil et head of civil service et secrétaire du cabinet, M. Bala, et aussi maintenant, c'est un probity officer au parquet qui invite maintenant un juge, moi je mentionne ce nom parce qu'il y a un juge, pas Barasli, mais un juge très respecté de la Cour suprême. Sa comité là, il prend la décision pour faire ça l'axe pour lui, Maïbou, Grand B, Corridor là, parce que c'est une agglomération, quand on a beaucoup de monde qui habitait et puis on a beaucoup de ridership. Alors, eh bien, réduit, côte d'eau, jamais va-t-il au salaxa. Jamais. Alors, quelque chose qui va nous cacher encore pour ne pas connaître. Mais ce qui me surprend, moi, c'est qu'il lui dit comme ça, nous pouvons attendre 20 000 passagers entre réduit et côte d'eau. Nous devons prendre en considération ça, ce chiffre-là, il y a beaucoup de facteurs que nous devons en considération là-dedans. Étant donné qu'il y a des personnes réduites, puis il y a beaucoup d'étudiants de l'université. Beaucoup de personnes, donc, il y a beaucoup d'institutions écolières qui sont dans sa quartier là-bas. Et il y a beaucoup de gens là. Et je bénéficie de mon free ridership. Pas payé. Alors, 20 000 là, nous disons, c'est un facteur là-dedans. Peut-être qu'il y a 15 000 qui vous payez. Mais 15 000 à la hauteur de 40 roupies de billets. Et nous ne pouvons pas travailler 365 jours parce que dimanche et congé public, du monde va vous voyager, ça constate là. Si nous faisons 300 jours, nous faisons 180 millions de roupies de rente par an. Excluant coût d'électricité, coût de man-staff et ben breakdown qui pourrait être notre là. Alors, si vous pas inclure ça là-dedans, comme on prend l'idée de 13,5 milliards de roupies, nous faisons 1,3% de revenus par an. Si je dis la moitié là-dedans, à l'abandon de coût qui vous fait mentionner, électricité et autres, il fait 0,6 ou bien 0,7% de rate of return par an. Je ne suis pas un économiste, je ne suis pas un comptable, je vais faire un calcul simple, je ne vais pas faire rien. Mais le sa base là, il vous prend plus qu'il s'entend pour rentabiliser sa bout à l'île qui peut faire là. Plus qu'il s'entend, parce qu'il n'est même pas 1%. Donc, il y a un gros problème. Dans sa base là, je trouve que ça la ligne là, n'est pas fiable. Vous connaissez, bon, bien sûr, nous avons été d'un côté économique, un côté social, mais le côté purement financier, il y a une flop. Il n'est pas pour marcher. Alors, je ne pas trop connu comment il dit qu'il y a un succès fou, comment je fais ce calcul. Et me pose-moi la question, qui est la raison qui peut amener sa métro là-bas. Bien sûr, nous connaissons qui peut venir dans la circonscription là-bas. Et moi, je pourrais faire un camarade de la presse à l'Express Property du 25 mai 2022. D'accord? Si vous allez lire ça, vous pouvez trouver que c'est bien qu'avant que Mme Singline annonce à l'autre. Hein? Il dit là-dedans qu'il y a un article qui est sorti d'ailleurs qui officia develops Telfair, the vibrant city center of the smart city of Moka. Et il dit là-dedans qu'INL Property is currently in close discussions with Metro Express to locate a station here. Bien qu'avant que Mme Singla annonce à l'ordre là, et bien qu'avant que nous commençons le projet qui commence à venir d'actualité. Alors, est-ce qu'il nous peut en dette la population? Et make no mistake, c'est une dette. Nous sommes capables de dire qu'il passe par un special purpose vehicle à la SBM, qui s'appelle SBM Infrastructure Fund. Mais make no mistake, moi j'ai eu l'occasion de questionner Pravin Jagnat en 2018. Là. Et je me réfère à mon camarade de la presse à la question parlementaire BD198, de 8 mai 2018, quand nous forcément pour répondre, de finalement dire que, through a SPV, the monthly repayment of the SPV is being guaranteed by the government. So it means what it means. Ça veut dire gouvernement te garantit pour payer métro sur ban coût financier, sur ban monthly repayment, s'il n'est pas capable de payer. Vous connaissez, et moi, je trouve beaucoup de choses qui cachent dans ce projet-là. D'ailleurs, mon dit dans mon interview, hier à la radio, mon dit, et dans mon coup caché. Alors, détail, on va pour revenir là, parce que mon des camarades qui vous apprennent.
Et il y a une motivation cachée, comme je disais tout à l'heure. Et il y a une étude de faisabilité cachée. Et ce n'est que hier que nous entendons, quand nous faisons cela. Et il y a une étude de faisabilité et sur la base duquel l'un peut financer ce projet-là. Je demande qu'il rende sa étude de faisabilité-là publique pour que nous, as taxpayers, as responsible MPs, capables de connaître. Parce que d'ailleurs, moi, je pose une question au parlementaire, là, mais malheureusement, le parlement est en congé. Et d'être public n'est pas caché, hein, parce que c'est clair qu'il est payé par le gouvernement. Et souvent, et j'espère qu'il n'a pas fait ça, le Premier ministre disait qu'il nous fait India bashing quand nous payons là, quand nous payons le projet qui est financé par l'AIN. L'AIN, moi-même d'origine, mes grands-parents sont dans l'AIN. D'accord? Nous avons beaucoup de pays qui aident nous. Et l'AIN est parmi les gens. Un principal pays. Tout le temps, et ce n'est pas d'aujourd'hui que sa relation a daté. Mme Singlet dit ça l'autre jour dans son discours. Il date avant l'indépendance. Et il renforce pendant l'ère du Parti travailliste et il fait continuer ce qu'il a dit. Et dans les autres pays qui aident nous. Nous avons l'Union européenne qui aide nous. Nous avons les États-Unis qui aident nous. Nous avons la Grande-Bretagne. Nous avons les pays arabes. La France française de développement, le banque partenaire de développement. Nous avons l'Arabie Saoudite, nous avons Qatar, nous avons l'Arabie Saoudite qui donne un fonds pour faire un projet. Tout aider. Nous avons besoin de reconnaître tout. Mais nous demandons une petite chose à Premier ministre Pravin Jagnauth. Faire bien attention. Qui faire? Parce que quand nous pouvons faire l'AIN, finance un projet qui peut à perdre financièrement, c'est pas nous qui pouvons embarrasser, c'est lui qui peut embarrasser l'AIN. Parce que quand on arrive là, quand nous pas beaucoup à repayer sa loan là, c'est l'île Maurice envers l'AIN sur relation qui peut embarrasser. Alors nous devons gérer les fonds publics avec responsabilité. Et me demande qui, l'étude de faisabilité là, rend public pour nous ici, nous capables de trouver si pas vraiment les fiables ou non. Si les fiables, ok. Mais si les pas fiables, nous pas embarrasse un pays ami, comme l'aide. Merci. Merci bien, Ousmane. L'éclair est la peine à free lunch. There's no free lunch. Mais c'est mort. Pavin Jagnauth peut prendre le hasard, littéralement, des banques. Et ça, en tant que bénéfice important. Laisse maintenant vous passer au camarade qui vient pour que vous tiennent la parole. Alors. Merci, tout le monde, camarade journaliste, tout le monde, auditeur, auditrice. Tout d'abord, nous tenons à remarquer que récemment, nous avons plusieurs congrès qui vont faire dans 25 circonscriptions par MSM. Nous avons dit congrès, mais pour moi, franchement dire, l'épargne congrès, c'est un mauvais show. Qui fait mauvais dire ça? Parce que la plupart du temps, l'oratier qui peut causer, c'est plutôt un clown. Parce qu'il n'est pas possible, du monde peut souffrir, du monde, la population en entier peut souffrir, ou trouve un oratier vin le podium peut sentir. Et si tu consentes aussi, un autre est venu de dire où laptop peut éclater, s'il continue de causer, micro peut éclater. Est-ce que la population paye cette personne-là pour cause cette cause-là? Et un autre est venu de faire politique pour la santé du monde. Et un autre peut cause démission et libéraux pour créer un partiel dans le numéro 5. À ce moment-là, une élection municipale doit être donnée, libéraux élection partielle dans le numéro 5. Quand ce outil s'appelle clown-là, on a tapé pour battre les frontliners. Pour ça, nous tu votes. Si je ne connais vraiment dire qui vient causer notre plateforme là, Vin explique 158 milliards depuis dans la banque de Maurice sur réserve. Expliquez comment il dépense ça. Expliquez ça 80 milliards qui finit pour mettre dans MIC. Comment il dépense ça? Expliquez dans SBM comment 12 milliards finit write-off.
expliquer comment Air Mauritius finit leur receivership. Expliquer comment combien casse de fin injecté dans un contribuable de la banque Mobank. Demander si Mobank avant, demander si NIC avant. Vous connaissez, du monde peut souffrir. Au lieu d'une cause d'émission, un député, si tu prends la peine, tu causes le subside. Il y a 300 items. Il y a le subside, le 300 items. Récemment, je suis même à la table, je dis aux autres, de l'huile qui me prend avec mon oil, 35 puis subside peut donner. Et moi, je dis, pour une panique buying, 5 fois, je suis allé au supermarché pour acheter 1 litre de l'huile, juste pour me guider si je suis capable de gagner. Mais malheureusement, pas fini 1 litre de l'huile. Mais quand ça va être petit la boutique là pour gagner ça de l'huile, pour qu'elle donne ça va être petit du monde là. Vous connaissez, un côté, la drogue peut faire ravage. Nous, notre premier ministre, est acquise. Ben journaliste, ben l'opposition, ben soi-disant ben mafia à drogue, ben complotée contre ben mafia à drogue. Mais c'est vraiment dire nous dans ce système là drogue là, où un premier ministre, la police trouve en bas où, ben faire de la police à travail, route ben mafia à drogue là. Si le tracteur pèle ou pas gagner le trafic en la drogue, d'abord bon gaz ou pas gagner ce trafic en la drogue, les coins des milliards, tu tapes en groupe en milliards, pas gagner le trafic en la drogue, coin de canonnier, même affaires. Écoute, nous perdons. Vous perdons même une proposition, journaliste, puis on sait les autres, puis aller même. Mais en tout cas, ce n'est pas make sense. Si vraiment Dieu a envie, la population a envie de trouver quelque chose, explique bien comment tu peux faire. Comprimer ma vie par la vie, sortir cette oupie, trouver presque 80 oupies dans un jour. J'aurai du coup le lendemain. Expliquer comment ventilateuse, quand il est arrivé, ça cas là, s'il fait police caisse, s'il fait tout ça, disant. 98 millions oupies, ventilateuse, ça lance un contribuable, ça. Médicaments, fin doublé. Public peut souffrir. Vaccin peut expirer, comprimé et périmé. L'enjeu contribuable peut gaspiller. Combien de temps nous pourrons pas accepter ça? Ça, ben, clown, n'a pas besoin d'expliquer. Quand je te montre ça pour le podium, là, explique, je te saque sous ministère. Ou un ministre de la Santé, expliquez. Que vous pouvez faire devant. Ou pas venir faire clown pour santé, danser le podium. Nous sommes en 2014. Campagne qui fait le délo 24-7. Aujourd'hui, beaucoup de petits promoteurs peuvent faire application pour gagner de l'eau. Les applications peuvent résister parce qu'ils ne peuvent pas gagner les rênes de CWBA. Et nous sommes un autre ministère qui peut faire 12 000 la case. Si ça va un petit promoteur là, pas capable de gagner de l'eau, comment ça 12 000 la casa pour gagner de l'eau? Pas oublier, Midland Dam, si tu fais de rien pour travailliste. Bagatelle Dam, fin faire de rien travailliste. Banma, fin dire de 2014, campagne de sujet pour faire Rivière des Anguilles Dam. Sac bidze vini, sac bidze aller, depuis aujourd'hui, pas de faire Rivière des Anguilles Dam. Ça projet qui te coûte 3-4 milliards, puis là, aujourd'hui, 9,2 milliards. Et ça, pas comme mettre la main, il peut payer les consultants, peut dire pour faire des piliers, pas le faire, et 12 000 la case, soit pour parler. Comment pour fournir de l'eau? Quand c'est un gouvernement qui peine à vision, nous pas pour capable de laisser ça continuer. Comment nous dire, the shorter is the better. Aujourd'hui, le bégain vient lire des crédits, quand le taux d'intérêt est beaucoup plus cher, qui vient lire ordinaire. Et l'inordre de pays là, et d'ailleurs, nous connaissons le Wages Assistance Scheme qui tu donnais
tu prends un loan de 8,3 milliards avec la Banque Développement Africaine, tu prends 13,2 milliards avec la Banque Française de Développement, tout cela, il crée à peu près 21,5 milliards. Tu prends un loan et tout cela, c'est nous vous payer. C'est pas nous, nos enfants, à payer. Les pays endettent pays là. Dis-moi, vous connaissez, en 2014, dette pays, il y a à peu près 225 milliards. Zodi, avec tous ces mêmes chiffres qu'ils ont cachés là, il est déjà là-haut 450 milliards. C'est presque 500 milliards, comme on vient de dire. Mais seulement, tout ça fait une limite. Bon, pour dire, tous ces mêmes ministres qui permettent un rôle clown, arrête avec ça. La population peut souffrir. Explique comment on est capable à l'aise et fort de tous ces mêmes gens-là. Vous connaissez, il y a plusieurs du monde qui sont décédés avec Covid, surtout un patient dialysé. Il y a même fait suicider, il y a même fait tuer. Si aujourd'hui nous avons envie de connaître comment Christian est mort, comment Madame Mouniara est mort, comment M. Kanakia est mort, comment Govinden est mort, comment Madame Fagou est mort, comment on a les autres comme ça sont morts. Ça qui nous connaît. Mais quand tu peux venir au podium, expliquer. Explique ça qui vient expliquer la population péroulée. Votre solution pour capable d'aller de fort d'eux. Mais malheureusement, nous avons un gouvernement qui peut mettre juste dette de nous la tête. On ne va pas être trop long, mais on peut dire la population commence à prendre compte. Merci. Merci bien, Randy. Vous voyez, quand nous sommes ici, avec Mangalo Petroleum Company, un accord pour qu'il garde sur un certain l'essence, diesel, tout le monde du pétrole. C'était une vision du Parti travailliste. Et ça qui s'appelle les relations bilatérales entre deux pays, avec un respect mutuel. Aujourd'hui, prix pour du pétrole peut baisser. Pour une troupe, Petroleum Company, Price Petroleum Company, duel. Et tout profit STC aujourd'hui nous rendons consolidé de fonds. La raison pour laquelle, là, je peux faire contribuer à payer un prix bien cher pour le pétrole, pour l'essence, pour le diesel. Pendant combien de temps nous sommes capables de conduire comme ça? Nous tenons un bateau qui t'a permis de savoir un produit pétrolier là. Alors, dans quelles circonstances nous étions, Cascontra, Fézère, et c'est le grand public qui disait subir le prix. Maintenant, s'attendez pour passer la parole à nos camarades Hicham, qui peut élaborer plus sur l'affaire de nous. Amis journalistes, tout bon internaute qui peut suivre sa conférence de Presta Live, me salue les autres. D'abord, j'ai envie de dire une affaire. Dans mon dernier congrès, mon collègue Inkosa, me trouve Premier ministre, il y a un problème sérieux avec mon journaliste. Certains journalistes, certaines rédactions, et lui-même a jusqu'à dire qu'il est pour nettoyer les journalistes. Moi, je pense que si le Premier ministre a envie de challenge l'opposition, il est correct. Nous, nous pouvons dire quelque chose, nous, nous pouvons poser des questions. Mon collègue énumère où ben, l'appréhension. Mais vin dire nous, vin challenge nous, ce qu'il nous peut dire. Mais vin intimide, vin servir une plateforme pareille pour sortir contre journaliste, c'est inacceptable. Et il y a le même associé la mafia. Mafia, la drogue, avec journaliste, avec politicien. Et qui s'en a qui Premier ministre, c'est lui-même. Qui s'en a qui ministre de l'Intérieur, c'est Pravin Jagnat. Mais qui te peut faire? Al d'un congrès,
prend non certains journalistes. Là, je peux dire, par exemple, Nawaz, Noubax, Alkiz, un ministre, les vinyles, il prend plaisir, il prend, il dit, là, je peux causer Alkiz pour gagner crise. Sans niveau-là, nous, premier ministre, nous, le ministre, il est tombé aujourd'hui. Puis attaque, ban journaliste, ban rédaction, en public, pour intimider. Qui est-ce que tu peux attendre? Quand pour faire ça, ça veut dire, ban journaliste, ban qui peut faire ce travail, pas pour faire ce travail? Non. Moi, me dire, ban journaliste, je peux faire un gros travail. Et demain, nous, dans le gouvernement, mon courage, ban journaliste, faire ce travail pareil, éclaircir la population, c'est ça, notre mission. Là, qui nous trouvait? Quand il dit ça dans mon meeting, qui se peut attendre? Alkiz parle fait sur l'enquête, là, ce qui nous déroulait dans Welkin. Alkiz pas venu dire nous, pas fait ce travail, comme on disait, Radio Plus, pas fait ce travail, l'Express, tout, rédaction, pas fait ce travail. Ça qui t'y besoin faire là? Les là qui t'y bon? Vous connaissez ce qui nous déroulait dans Welkin, il dépasse. Député de nous, trop très très grave. Ça résume ce qui sa gouvernement l'a préféré. Mon Jésus, dernière fois nous utilisons, c'est une machine à scandale. Et une machine bien huilée. Semaine après semaine, là nous trouvons, après Sniffgate, Premier ministre, après tout ce qui, parlement est passé, conférence de presse, tout ça congrès là, jusqu'à l'air, il n'est pas fini démenti. C'est fini la manipulation, fini la data capture, tout ça là, jusqu'à l'air, pas fini capable de démenti. Là, nous gagnons le cas de nous. Nous devons imaginer, de nous, c'est un récidiviste notoire. Ne pas oublier ce qui finit de passer avec la journaliste de la MBC, Manisha Dutti. Quand il t'y oblige, il dit, bien, ça, madame, même jusqu'à, bien, quitte ce travail. Vous connaissez quand arrive un certain niveau d'une rédaction ou de travail, un politicien service opposition, peu importe combien l'argent vous gagnez, combien vous ritailleur ou allez, mais aux professions ou sous profession. Il besoin quitte ce travail. Il a sa lettre qui sa madame Nati écrire. Il refuse prendre son corps de visite. Il refuse être dicté par un politicien comment il besoin faire ce travail. Et ça, c'est de nous. Il a ça de sa conscience. Et là, en, quand il a monté un bon camarade, parce qu'il n'y a pas, il connaît un ressortissant indien, peu importe que n'importe, même les autres aussi. Il quitte sa famille. Alors qu'il nous tout nous peut dire, nous peut remercier, nous pas peut finir. Remercier les frontliners pour ce qu'ils ont fait. Il quitte sa famille, il vient travailler pour les nourrir sa famille. Il gagne, pâté, il a agressé dans ce travail. Et ça, peu importe, même les frontliners, agresser un dimoun dans ce travail, il est inacceptable. Maintenant, ça vient d'un député de l'Assemblée nationale. Ou capable d'imaginer. Et je t'ai même jusqu'à là, je t'ai un communiqué, Welkin, finena un laco à l'amiable. Et où là? Ou qu'on lié à sa lettre qui s'est infirmier là, sa nursing officer là, il écrit à la direction Welkin, il dit pour ça, pas arrive à une lutte. Frontliner, un autre personnel. Ce qui finalement, c'est très grave. Nous demandons qu'il prenne une sanction qui s'impose. Mais là, la cause qui fait, il nous besoin faire ça. Parce qu'il me chez de nous, il y a un député. Parce qu'il me chez de nous, il y a un membre du gouvernement. La cause, ça, infirmier, ça, nursing officer là, il y a un indien. Monsieur de nous, capable de servir sa position. Pour lui cancel ce contrat, lui renvoyer lui de son pays, il a sa pouvoir là, c'est incapable de faire ça avec
Manisha Djouti dans la MBC, est-ce qu'il y a encore pour lui pour déposer ça nursing officer là, là il trouve un l'accord la mienne, mais là on condamne aussi avec fermeté position Welkin. Tibizin, ça monsieur là, il donne un rapport, l'affaire Tibizin référée à la police. Finena agression. Et ça, je dis, pas pour qu'il n'y ait pas de Premier ministre, pas pour qu'il n'y ait pas de cassette derrière l'enquête. Premier ministre qui fait nomme M. Denou comme député chief whip du gouvernement. Et je dis, pas pour qu'il n'y ait pas de cassette derrière l'enquête de la police, c'est que la population n'a pas fini de trouver. Donc, à Kisnen, pas fini de Zimaz vidéo. Là, ce qui nous fin trouver, tout le monde trouver, les clair. Tout le monde a une copie, rapport, une copie, ce qui ça, nursing officer là, il a vu la direction Welkin. Qui rôle ministère travail, qui fait pas fin ouvert une enquête 3 jours après. Qui fait commissaire police pas encore ouvert une enquête de son propre chef. Interpelle M. Denou. Qui fait premier ministre 2 jours après qui ça, il ne paraît pas encore prend aucune sanction. Nous attendons même. Là, les pouvini de congrès, les pouvini, attendons nous guetter. Mais au moins, un de ce père, l'honorable Nakchedi, il condamne M. Denou ce matin à la radio. Au moins. Il est embarrassant. L'Indi, elle est embarrassant. Et ça n'est pas assez. Il n'est pas digne pour une personne faire une action pareille, être l'honorable membre de l'Assemblée nationale. Moi, je parle plus loin. Nous ne pouvons pas demander le Premier ministre, Thierry comme député chef, mais lui-même, il a besoin de démissionner comme membre de l'Assemblée nationale pour se prendre une manière à faire. Mondiao, M. Denou, c'est un récidiviste notoire. Semaine après semaine, les faire sur une gaffe. Salut, monsieur Denou. Et là, ce matin, nous finissons d'entendre. Toujours une service opposition. Je vais guetter l'express ce matin. Je ne vais pas parler plus loin. J'espérais qu'ils suivent le bon règlement. Si ce madame, il fait partie délégation, etc. Nous pouvons gagner l'occasion pour venir au Parlement avec une interpellation. J'espérais qu'il lui-même lui vienne expliquer. Mais ça même de nous, tu poses question, le déplacement docteur Ramboulam pour sur la santé, pour sur le traitement dans l'Aisne, et aujourd'hui, sur madame de la délégation, comment sur madame fait partie de la délégation? Tu poses question, le nom, l'état mauricien. Dans une conférence, tout cela suscite beaucoup de questions. Mon camarade Indir, dans un congrès, l'eau, ce qui peut causer l'eau, la santé, docteur Ramboulam, nous ne finissons pas. Problème, ça pas moi qui dis ça, premier ministre dit ça, docteur Boulel dit ça premier, Patrick Assiavaden dit ça, premier ministre dit ça au Parlement, c'est pas le gouvernement qui dit à nous payer, nous qui dit à nous pour payer. Mais seulement, et dans magouille, bien tiré au clair. Pareil, comment finir dans magouille, pour refaire magouille, dans le cas, M. Denou, dans Welkin, puis faire un arrangement. Ça veut dire, demain, un jimoun ou rentre côté un jimoun, nous battre, ou finir, faire tout ce qui veut, les là où aller, vous allez, non, mais bon, là, vous finissez pas, vous faites un arrangement. Pas capable. Et dans la police, c'est une agression. Pareil, comment finir dans le cas CTO. Pareil comme un premier ministre, même une critique CTO, l'indie a sa parole. Après, j'ai dit, l'IPE Basile, le rapport CTO, tout ça là, ça c'est cette façon de procéder. Mais, moi, tu peux prendre un autre petit point avant de terminer. L'OSTC. STC, dans sa même dans la conférence de presse ici, moi, tu dis, avant qu'ils mettent
de l'huile le marché, moi, je dire, sa façon qu'il peut procéder là, pour une pénurie, pour une pagaille. J'ai dit, beaucoup de Mauriciens, beaucoup de monde qui besoin sa subside là, 500 millions de roupies subside in voté, pape gagne de l'huile, de 75 roupies, je peux bien acheter 110, 115 roupies, parce qu'il paye dans le supermarché. Là, nous devons attendre, nous connaît du lait pour rentrer, mais prix qui du lait peut coûter, nous pouvons attendre dans un jour qui peut venir, pour aucun avantage. Mais plus important, côté de l'huile qui est STC, ministre India, ministre Manish Gobin India, premier ministre India, in Pascoman, Pevini, l'île au bateau, d'une bloquée dans Colombo, de l'huile n'a pas Pevini, pena de l'huile au bateau. Van la bivin, j'avine, j'y a nous, quand il payait, combien il payait, quand cassette, est-ce qu'il peut gagner de l'huile, ou soit nous payons devant nous, nous en un autre cas, pas qu'un blister, qui n'est jamais pas pour gagner là, de l'huile. C'est ça, gestion STC. Là, nous apprenons qu'il y a une délégation qui est dans l'Iran, mais je peux faire tout à l'envers. Puis aller puis négocier avec chambre de commerce, bien beau, mais ce qu'il connaît pour faire un transfert, laisse l'Iran. Là, si vous êtes là pour faire un transfert, l'Amérique, l'Angleterre, la Chine, n'importe quel pays, vous avez beaucoup de difficultés parce que le pays n'a pas de devise. Mais vous connaissez, pour transférer l'argent à l'Iran, les passeports l'Amérique, c'est mission impossible. Tout ça là, tu as fini de régler avant, après prendre délégation, à l'Rod, ben, produit depuis l'Iran. Ça, c'est le plus gros problème. J'espérais qu'il va là venir répondre nous à ça, parce qu'il pourrait importer depuis l'Iran. C'est une mission bien, bien difficile, parce qu'il n'est pas facile de faire transfert en Iran, parce que la plupart nous vendent paiement, ils transitent par l'Amérique, et l'Amérique, ils bloquent le paiement qu'il y a à l'Iran. Il y a beaucoup de queries. J'espérais qu'il vienne amener une réponse à la population, à un businessman, je ne pas couillonne. Man businessman, je ne vais pas prendre man businessman, je ne vais pas prendre man délégation à là-bas pour ne pas aboutir à rien. Pareil que moi, dans le cas, nous trouvons dans le cas de l'huile, nous pouvons trouver dans le cas du lait, devant les autres cas. Et moi, j'ai envie une dernière affaire. Monsieur Colin Davelou. Vous connaissez ce qui est passé la semaine dernière? Les peines affaires simples. C'est pas un fait divers. Vous connaissez ce qui nous trouvait, ce qui ban rapport peut dire. L'ex-président, présidente, ce qui l'ancien conseiller au PMO une faire, c'est très, très, très grave. Les nougats. Zot modus operandi, jusqu'à qui point zot capable aller, jusqu'à qui niveau zot capable aller. Et tout ça là, il fait pour trappe, pour retirer ML. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas comment l'honorable Ivan Colin Davelou, avec tout ce principe, lui encore peut accepter des affaires pareilles. J'espérais qu'il y prend position et lui dit à nous, et lui-même, ce qu'il m'a fait faire avec lui, même modus operandi, écrit à lui un bout de papier, fabrique bonnes affaires pareilles, pour destituer, pour faire un président aller, pour faire un député premier ministre révoqué. Vous connaissez le député premier ministre révoqué par Pravin Jagnat. Vous ne connaissez pas qui faire Ivan Colin Davelou peut toujours agripper à sa gouvernement. Là. Et vous demandez-lui, prends sa responsabilité, me demande mon membre bureau politique, me demande mon membre ML, prends cette responsabilité, l'histoire, pour retenir ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Merci pour votre attention. Merci, Echan. Et Pravin Jagnat, c'est la courage. Il doit dire qu'il s'en a qui dans sa réunion pour fabriquer. Hein? Et faire sa brouillon là.
Concernant les petits préparés, tu en as trois timons et pour trois cannes qui prennent une jagnat d'inaza. Attorney General, Pravin Jagnat, Tienem journaliste très proche de Zot et M. Canarian. Aujourd'hui, nous connaissons l'original côté de Oksana Yete. Pravin Dinaï, Zot père et ce qu'ils ont dit faire contre Colin Avelis, ce qu'ils ont dit faire est extrêmement grave et sérieux. Parce que madame la présidente, tu finis à aller. Tu fais tout pour freiner Ivan Colanda-Velou. Mais quand ça, Ivan Colanda-Velou, comme Aïchan peut demander, tu tiens une fibre morale. Aujourd'hui, malheureusement, c'est une personne totalement différente. Maintenant, c'est ma question avec plaisir. Je vous prends une question. Sinon, nous vous remercions, autres, merci beaucoup. Et pas oublier que le congrès, le 28, au-delà du fait qu'au niveau des différentes circonscriptions, ça quand même fait travail. Sans tambour ni trompette. Yéati, naissance Krishna. Aujourd'hui, bien sûr, nous pouvons célébrer cette naissance. Et Iskon fait une grande fête au nom de Krishna, la prière, qui bénédiction réjaillir sur toute la population. Merci. Oui, l'eau. L'Andobuddha est là, ce droit, la parole, tout comme aujourd'hui, il critique sévèrement le gouvernement concernant toute la question de l'argent qui peut servir pour un salarié qui sort au Timoka pour le Côte d'Or. Effectivement, l'Idan, groupe de l'espoir, et chacun, tout en gardant chacun ses spécificités, bien sûr, chacun fait ce travail, comme a besoin de faire. Et nous dit, il peut procéder étape par étape. Nous besoin régulièrement. Là, après les 28, nous pouvons continuer à rejoindre. C'est... Mais chaque partie garde sa spécificité, chaque partie fait son travail. Et c'est ce droit à dire, c'est effectivement, il est dans l'espoir. Si vous écoutez moi, parce que le mot tient à la radio plus même, c'était un case scénario. D'un case scénario, si demain. Si demain, nous donne l'alliance. Nous faisons l'alliance. En 83, 87, 2000, 2005, 2010, mais dans quel scénario? Celui qui peut diriger l'alliance. Il y a des fois que ça entre nous, nous ne connaissons pas. Mais si nous donnons l'alliance, par exemple, 2005, 2010, mais celui qui a la tête de sa alliance, il est tout à fait normal que c'est lui qui peut lire l'alliance. C'est aussi simple que ça. C'était un cas scénario, mais pas un cas hypothétique, un cas scénario. Mais tout à fait normal, les bases dans sa logique-là. Non, bon, bizarre, laisse-moi mettre ça très clair. Aucun Saman leader-là n'a jamais parti que ça échoue de Prime Minister. L'essentiel, Saman réunion-là, c'est Getban Tem, qui bien sûr peut controversable, qui peut finir sa pays-là. Au niveau sectoriel, dans les règles de finance, nous disons, nous conjuguons nos efforts concernant le thème. Par exemple, nous faisons un parlement. OK? Qui pense que, comment nous toujours dire, c'est putting people first, la nation avant toute autre considération. Et nous avons saluer personne par une cause concernant l'alliance, etc. Personne. Ce qui nous dit, nous prenons l'engagement formel qui demain à l'élection municipale, bien sûr, nous prenons la liste commune. Et ça, que ce soit Béranger, que ce soit Duval, et certainement Dr. Amoulam, il dit la même chose. Je me rappelle, je suis porte-parole de ce qui est décidé, je dis ça. Mais si vous pouvez mettre une question hypothétique, bien sûr, si, comment nous dire, même TGV, ça, n'importe qui l'alliance qui est là. Pas grave, mais dit tout à fait normal, c'est parti travail. Si les papiers sont seuls, bien sûr, l'équipe pour libre, l'équipe pour leader pour qui l'alliance, mais bien sûr, nous pense, là, concernant avec qui parti nous va connaître. Mais nous allons faire ressortir très clairement concernant l'élection municipale, oui, nous dire, nous pouvons faire une cause commune, pour une analyse commune de ces trois parties-là. Mais other than that, non. Mais aussi, nous prenons l'engagement, nous dire, nous pouvons amendre local government act, parce qu'il n'est pas capable, avec un trait de plume, une simple majorité, le premier ministre renvoie élection municipale. Pas capable, ça. OK, ça, par exemple, ça, c'est un point de convergence qui nous tombe d'accord. Bon, vous avez dit, nos congrès de 28,
ça l'engouement, ça l'effervescence qui est là, nous finissons gagner l'aide pour l'exécutif, nous finissons dépasser des milliers. Donc, pour tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui pour Beau Bassin, tout le domaine des régional, dans la circonscription, il y a un engouement extraordinaire. Donc, le 28 nous permet tous nos efforts, tous nos adhérents, tous nos congressistes, surtout pour qu'on vienne vers nos congrès le 28, mais vite, surtout, vienne nos congrès. Mais en même temps, nous avons dit, jamais nous gagnons autant de jeunes, de professionnels, qui ont de l'expérience, qui peut demander notre adhésion pour dans l'exécutif parti. En tout cas, nous remercions beaucoup. Si il y a la question additionnelle, feel free. Mais rendez-vous donc, bien sûr, nous pour partout à travers le pays, nous pouvons faire une réunion. Nous pour dans quatre bornes mercredi prochain. Et après, bien sûr, rendez-vous, c'est bon dire, rendez-vous historique. Dans sa grande période de transition, c'est le nouveau visage du Parti travailliste. Avant-gardiste, donc rendez-vous le 28 à Triano. Triano, OK? Conventional Center. Merci beaucoup.